Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure d'information. La paix et la sécurité internationale étaient au centre des échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le chef de l'État est à New York depuis dimanche. Il va prendre part aujourd'hui à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, se sont penchés au cours de cet entretien sur des sujets à l'agenda de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité internationale et le programme de développement post-2015. Le chef de l'État, président de la CEDEAO, a aussi abordé avec Ban Ki-moon les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Oui, nous avons fait un grand tour d'horizon sur la situation dans notre pays. Lui-même reconnaît que la situation est bonne, elle s'est normalisée et les choses se déroulent bien dans le domaine de l'économie, de la sécurité, des droits de l'homme. Et également donc de la stabilisation globale. Il nous a dit que la Côte d'Ivoire était un pays modèle en matière de sécurisation et de stabilisation. Donc nous en sommes très fiers. Nous avons, en tant que président de la CEDEAO, évoqué le Mali, la Guinée-Bissau, mais également donc les prochaines élections en Guinée-Conakry. Et nous avons parlé de la Centrafrique également, puisque nous assumons actuellement la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour les Nations unies de nous apporter leur soutien pour l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Les élections sont prévues pour le 24 novembre. Nous avons demandé que le PNUD procède à une simplification des procédures pour permettre de tenir la date et aussi que les Nations Unies viennent en soutien aux pays de la CEDEAO qui ont accepté d'apporter des contributions volontaires pour le financement de ces élections. Ce message a été bien reçu par le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de sécurisation et de réconciliation nationale. Le président de la République a également eu une rencontre avec les responsables de l'Organisation des droits de l'homme Human Rights Watch, une rencontre qui s'est faite en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Mamadou Nienema Koulibaly. Vous aurez le compte rendu complet de cette rencontre dans nos prochaines éditions. 82 milliards de francs CFA, c'est le montant des deux prêts octroyés par la Banque islamique de développement à l'État ivoirien. Cette somme va servir à bitumer la route reliant les villes de Boundiali et Odiené et celle qui relie Bolona à Tingrila. Ce fonds permettra également de financer le projet de reconstruction post-conflit du lycée professionnel d'Odiené. On en parle avec Adama Koné. Signature et chaude poignée de main agrémentée de sourires entre le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba, et le vice-président de la Banque islamique de développement, BID Boubacar Sidibé. La BID consent à débloquer 82 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Première affectation, la construction de deux sections de route, Boundiali-Odiené et Bolona-Tingrila, frontière du Mali. Longueur totale 175 km. Ce programme renforcera la politique d'aménagement du territoire en stimulant les complémentarités économiques par les échanges transversaux entre différentes régions concernées de l'intérieur et participera à l'essor économique national. Il faut dire également que c'est un projet intégrateur parce que c'est un projet frontalier, c'est une route frontalière qui va donc permettre de faire la liaison entre notre pays et le Mali, qui va ainsi contribuer à rendre notre pays plus compétitif en matière donc de transport de tout ce qui est marchandises en transit à partir des ports d'Abidjan et de San Pedro. La deuxième partie de l'argent servira à la reconstruction des 21 bâtiments du lycée professionnel d'Odiené, à la mise à niveau des documents et matériels didactiques et au renforcement des capacités des enseignants. Et ce n'est pas tout.
Dans le cadre du programme 2014, nous avons entendu que la banque va coordonner les bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe pour pouvoir accompagner notre pays. Si le concours de la BID s'élève depuis ce lundi à 266,5 milliards de francs CFA, il faut rappeler que l'institution s'est engagée à hauteur de 500 milliards dans le financement du PND lors du groupe consultatif en décembre 2012 à Paris. Les enfants malades du rein seront bientôt soulagés. La fondation américaine SKCF a offert du matériel médical et décidé de former le personnel du service néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Cet appui va permettre de réduire le coût de la dialyse encore élevé pour les enfants. Victorine Yaoyoboui. CHU de Yopougon, service de néphrologie pédiatrique. C'est ici que sont pris en charge les enfants souffrant de maladies du rein. Ils viennent de toute la Côte d'Ivoire, certains des pays voisins. Car ce service est le seul dans ce domaine au niveau de la sous-région. La moyenne, 500 consultations par an. Et j'insiste sur l'importance des consultations parce que vu tôt, les maladies rénales sont curables. Et on peut éviter à une famille de se retrouver avec un enfant en insuffisance rénale terminale. En 5 ans d'existence, le service de néphrologie pédiatrique a reçu environ 2500 enfants malades du rein. Parmi eux, 37 souffrant d'insuffisance rénale chronique ont été dialysés. Contrairement à la dialyse des adultes subventionnée par l'État, la dialyse des enfants est aux frais des parents. Les dialyses ici sont à 250 000 francs pour 5 jours de dialyse. Le coût réel de cette dialyse pour 5 jours est de 789 000, mais c'est un coût forfaitaire pour permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et malgré ça, toutes les familles n'y avaient pas accès. L'objectif du service était de réduire le coût de la dialyse pour sauver tous les enfants malades. Bientôt, cet objectif sera atteint grâce à l'appui de la fondation américaine SKCF. Cette fondation vient de signer une convention avec le CHU de Yopougon en vue de doter le service de néphrologie pédiatrique de consommables pour les 2 prochaines années. Le don est estimé à environ 110 millions de francs CFA. En plus du matériel, les capacités du personnel soignant seront renforcées. La série de formation démarre ce mercredi avec un atelier sur les maladies rénales de l'enfant ici à Abidjan. Il y a un an, se tenait à Yamoussoukro les états généraux de la presse, une rencontre qui visait à professionnaliser la presse ivoirienne. Aujourd'hui, un comité chargé de veiller à la mise en œuvre des recommandations faites lors de ces assises a vu le jour. Il a été officiellement installé par la ministre de la Communication, Afousiata Bambalamine, et il a 3 mois pour rendre compte de sa mission. Victorine Yaoyoboui. Après 1 an et 3 semaines d'attente, le comité de suivi des états généraux de la presse est officiellement installé. Il est composé de 9 membres, représentants de toutes les organisations professionnelles de la presse ivoirienne ainsi que la tutelle. Ce comité a pour mission de conduire le renouveau de la presse ivoirienne en mettant en œuvre les recommandations issues de ces états généraux de 2012. Il s'agit d'un vaste chantier. Il prend en compte notamment la révision de la loi 2004 portant régime juridique de la presse, l'application de la convention collective et la libéralisation de l'espace audiovisuel. Tout cela en 3 mois. Ce comité devra notamment identifier et proposer des amendements aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont notamment certaines ont déjà été mises en place. En outre, il devra élaborer de façon rigoureuse un chronogramme de réalisation des actions recensées et en suivre scrupuleusement la mise en œuvre concrète. Le comité s'est mis à la tâche bien avant son installation officielle. On lui doit par exemple le début d'application de la convention collective et il entend continuer sur cette lancée. Le statut de l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse, un décret a été pris et incessamment le comité de gestion donc, de cette agence-là va être mis en place. Dans le domaine numérique, vous savez, la loi régissant donc, l'audiovisuel, il faut absolument que le comité donc, de suivi fasse des propositions d'amendement donc, de la loi portant donc, un régime donc, de l'audiovisuel. Et c'est très attendu. C'est ça qui va faire en sorte que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de passer rapidement donc au numérique. L'enjeu de toutes ces réformes demeure l'émergence d'une presse ivoirienne professionnelle.
Hors de la Côte d'Ivoire au Kenya, les forces de l'ordre tentent toujours de neutraliser les islamistes Shebab. Ces derniers sont retranchés dans un centre commercial de Nairobi où ils ont mené une attaque terroriste. L'information a évolué. Le centre commercial est désormais sous contrôle des forces de l'ordre. C'est ce qu'a annoncé hier dans la soirée le ministère kényan de l'Intérieur. Deux assaillants auraient été tués au cours de l'opération. Dans la matinée, les insurgés Shebab détenaient encore des otages. L'attaque avait été lancée samedi dernier par les Somaliens Shebab en représailles de l'intervention militaire kényane lancée en Somalie il y a près de 2 ans. Elle a causé la mort d'au moins 69 personnes. 200 autres ont été blessés. Au Rwanda, la lutte pour l'égalité hommes-femmes a porté ses fruits. Les femmes représentent une large majorité et c'est une première dans le monde. Les députées rwandaises ont de quoi se réjouir. À l'Assemblée nationale, ce sont elles qui forment la majorité depuis 2008. Un exemple unique au monde. Et quand on a le pouvoir, on ne le lâche plus. La preuve, avec les dernières élections législatives. Les chiffres sont sans appel. Les femmes représentent désormais près des 2/3 des parlementaires. Les Rwandais ont opté pour donner priorité à la femme dans ses droits politiques pour qu'elle puisse pleinement jouer un rôle politique visible et qu'elle serve de modèle même aux pays étrangers. Des femmes députées dans l'hémicycle, ce n'est pas une coïncidence. La constitution rwandaise prévoit l'attribution d'au moins 30% des postes aux femmes, ici et dans d'autres instances de l'État. Puisque nous sommes femmes, nous connaissons très bien, plus que les hommes, les problèmes des femmes, les besoins des femmes. Nous savons ce qu'elles vivent, nous savons ce qu'elles sentent, nous savons ce qu'elles ont besoin. Que ce soit légalement, socialement, culturellement et même économiquement. Éducation, droit de succession, emploi, de nombreuses lois ont changé en faveur des femmes. Il y a eu par exemple une loi contre les violences faites aux femmes initiée par les députés femmes et une loi qui leur donne accès à la propriété foncière. Reste à ouvrir la porte du Parlement aux femmes de l'opposition. Les nouvelles élues appartiennent presque toutes aux partis au pouvoir. Je rappelle qu'au Kenya, le centre commercial est désormais sous contrôle des forces de l'ordre et l'annonce a été faite hier dans la soirée par le ministère kényan de l'Intérieur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.